Salut, c'est Guntar et bienvenue pour une petite vidéo euh, à caractère culturel puisque je vais vous parler de mes livres sur les chars américains. Alors, euh, en avant-propos, je vais dire que les chars américains ne sont pas ceux qui me passionnent le plus, mais j'ai pourtant une documentation extrêmement importante parce que j'ai trouvé on va dire un livre qui comme pour les livres allemands il y avait une bible et ben pour les chats américains il y a aussi une bible je vais vous en parler un petit peu après mais pourtant pour moi les chats américains euh ont une bonne diffusion, enfin ils sont très documentés parce que ce sont des chars américains. Et tout ce qui est américain, ben, on en parle beaucoup. Donc vous trouverez des, des livres en allemand, en russe, dans tous les domaines, ça c'est clair, c'est net, il y, a, il y a beaucoup. Alors est-ce pour autant que, que les chars américains sont, sont bons, sont les meilleurs comme on entend parfois Non. Non, non, clairement, euh, euh, quand on regarde les, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Sherman, notamment le premier, enfin euh, franchement, euh, il faisait pas le figure à, poté, à, à côté des Panthers, euh, et il a fallu attendre l'arrivée des Firefly et des Pershing à la toute fin de guerre pour arriver à avoir des chars entre guillemets ayant du potentiel à combattre les, les chars allemands. Euh, et à côté des T34, euh, bon, il, il faisait là aussi pas le figure. Euh, ensuite, le, le Sherman, le Pershing va être opposé au T54, T55, et euh, je veux dire que c'est là encore, euh, on va dire que c'est grâce à l'ergonomie, au, au fait que les Américains ont pensent leurs véhicules plus de manière industrielle qu'autre chose. Et de ce côté-là, euh, les véhicules Sherman étaient des véhicules très bien pensés industriellement, parce qu'ils étaient produits à l'appel. Et je veux dire que ce qui a permis la victoire américaine, c'est pas la supériorité des chars américains, c'est le nombre de chars américains. Voilà. Euh, et euh, quand on regarde plus récemment, le M1, mais le M1, qu'est-ce qu'il a d'américain Le M1, quand on regarde fondamentalement, c'est un char qui a un blindage anglais et un canon anglais dans un premier temps. Et pour la version la plus moderne, le M1A1 et le M1A2, un blindage britannique, toujours, le Chobham, et un canon allemand, celui qui équipe les euh, Léopard 2. Donc, Qu'est-ce qu'il y a d'Américain euh, euh, dans, dans, dans le char Abrams euh, Il euh, y a le moteur, mais le moteur, est-ce que c'est une grande réussite euh, Rappelez-vous les guerres du Golfe, je ne sais pas pour ceux qui ont vu qui ont vu des vidéos, mais il y avait des, 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 des chars de combat et ils étaient accompagnés par une noria de véhicules de ravitaillement. Parce que le véhicule, le moteur de ce char est un vrai gouffre à pétrole. Et je veux dire qu'il ne peut pas bouger sans être supportés par une véritable armada euh, de, de camions citernes. Et je veux dire que ça, c'est une grosse lacune, parce que s'ils arrivent dans une situation où ce ravitaillement ne suit pas, euh, et bien, ils avancent plus, ils sont complètement immobilisés. Pendant la guerre du Golfe, les Américains avaient une supériorité totale aérienne dans le domaine des blindés. Bref, ils dominaient de la tête et des épaules les, 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 les Irakiens, je vais dire les pauvres irakiens parce qu'ils sont pris de branlée. Mais euh, je veux dire que si ça avait été dans un autre cas de figure, avec une opposition un peu plus costaud, je pense notamment euh, s'il y avait eu des combats avec le pacte de Varsovie, s'ils si avaient euh, des convois de ravitaillement détruits, eh ils auraient plus bougé. Alors, c'est vrai qu'ils ont un char qui est rapide, qui est très réactif, qui, qui a beaucoup de punch. Le seul problème, c'est que c'est au détriment, euh, je dirais, de la consommation. Et elle est énorme. Et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est pas un point tout à fait positif. Euh, la seule chose de positive, on va dire, que c'est dans les dernières versions, notamment le M1A2, c'est le BMS, le Battlefield Management System. Ça, il est les Américains en matière informatique, ils sont pas plus tocards que les Français ou les Allemands, ils ont de bonnes entreprises dans ce domaine, donc on peut leur faire confiance pour avoir des choses plutôt bonnes. Voilà. Donc tout ça pour dire que moi, si je devais pour dire de, parmi les très bons chars, euh, je dirais ouais, les, euh, enfin, les Allemands, les Français, les Russes. Euh, les anglais, euh, moi je trouve qu'ils ont beaucoup perdu, hein. à part le Chobam, le leur canon est pas franchement terrible, terrible. et euh, l'américain il est pas mauvais puisqu'en fait il, re, il, il il a euh, ce qu'il y a de meilleur, on va dire, des anglais et des allemands, mais de d'américains il n'y a pas grand chose. Bon, attaquons maintenant notre petite lecture, nos conseils de lecture. On va commencer par euh, bah c'est ça devient habituel, j'aime bien présenter cette cette revue. Donc, le titre, c'est les matériels de l'armée américaine durant la seconde guerre mondiale. C'est écrit par monsieur Laurent Tirol et l'éditeur, c'est Caractère. Donc, en fait, c'est un numéro hors série de la revue Truck and Tank qui est consacré à tous les matériels. Donc, il est sorti cette année. Je l'ai reçu, en fait, il y a deux mois, je crois. Un mois ou deux. Donc, il y a 113 pages et il coûte 15 euros on va dire. Euh, donc je pense que vous pouvez le trouver facilement en comment dire en, en le commandant sur le site de l'éditeur. Et euh, eh bien je dirais que c'est une bonne entrée en matière, pas chère. Pour euh, ceux qui ont envie de connaître un petit peu le matériel américain qu'il y avait euh, durant la seconde guerre mondiale. Et euh, je veux dire que ça ne couvre pas que le matériel blindé, ça couvre aussi le matériel à roues, ça couvre l'équipement euh, équipement, euh, fusil, tout ça. S il, y a, il y a vraiment une, euh, euh, voyez, canon anti-char, artillerie de campagne. Donc ça vous donne vraiment une vue globale de tout l'équipement et c'est intéressant d'un point de vue historique et plus précisément aussi pour ceux qui s'intéressent, on va dire, euh, aux chars. Euh, euh, américain. Donc ça c'est une bonne entrée en matière, ça coûte pas cher et euh, je veux dire que bah, ça peut être intéressant. Voilà. Le deuxième ouvrage, c'est la saga du, cher, euh, du Sherman, pardon. C'est écrit par Michel Estève, c'est édité par Heimdall, ça c'est en 2018, 239 pages pour un prix conseillé de 40 euros. Alors, La Seilla du Chouan du Sherman, je vais y arriver, c'est un très bon livre euh, que j'ai acheté il bah, y, a, y, a y, a, y a quand quand il était sorti, je crois, parce que je j'ai pas mal d'ouvrages de daimdal qui est... Plutôt, on va dire, spécialisé dans le récit de bataille sur euh, notamment la, la bataille de Normandie, la bataille des Ardennes. Ils font beaucoup d'ouvrages comme ça qui sont euh, euh, qui, qui, qui sont très documentés, beaucoup de photos, euh, qui racontent un petit peu au jour le jour euh, le déroulement d'une campagne. Et là, ils avaient fait un, vraiment un livre particulier sur le Sherman. Alors, il est intéressant à plus d'un titre. D'abord, il est en français. Euh, il coûte 40 euros mais euh, c'est un beau livre et les beaux livres, bah, je suis désolé mais ça a un certain coût. Euh, c'est un petit éditeur et je veux dire quand on fait des livres comme ça, bah, ça il faut rembourser un petit peu l'investissement. Et deuxièmement, je dirais qu'il couvre plusieurs aspects. D'abord l'aspect armement. Il va parler des différents types d'armements qui ont été adoptés sur le Sherman. Donc les premiers 75, ensuite avec l'évolution euh, un peu plus punchy du 76 mm britannique qui va donner le fameux Firefly euh, et euh, le blindage, l'évolution du blindage, l'évolution de, de la, on va dire, de la forme du char. Donc il y a, y a cet aspect blindage, armement. Ensuite, pour ceux qui sont plus versés dans l'art de la stratégie de le militaire, vous avez l'organisation. Euh, comment étaient organisées les compagnies de, les, les escadrons de Sherman, euh, les divisions Voilà comment ils fonctionnaient. Euh, et, et ensuite, vous avez cette partie euh, rapportée aux forces françaises libres, au FFL, qui euh, donc ont combattu au sein de la première armée euh, et notamment de la fameuse deuxième dB. Donc euh, vous avez euh, donc là c'est un intérêt plus historique on va dire. Euh. Et enfin il y a un aspect on va dire euh, ludique puisqu'il y a des conseils de peinture les différents types de marquages qu'il y avait sur les chats et donc là euh, euh, bah si vous êtes un peintre si vous êtes un maquettiste bah vous aurez des euh, je dirais des idées pour avoir euh, voilà euh, mettre des décors réalistes de chats ayant existé, puisqu'on vous donne des, des profils de chars qui ont été appartenus à des équipages français ou américains. Voilà, donc il est intéressant, euh, et je dirais qu'il est bien documenté et euh, facile à, à lire. Donc pour ceux qui, qui ne lisent pas l'anglais et qui veulent avoir un bon livre sur le Sherman, ça peut être un, un livre à, à, se, à posséder. Alors ensuite, on va revenir à un classique. Excusez-moi, la photo est pas terrible, mais euh, le bouquin, enfin, il est déjà assez sombre. Donc, euh, American Tank and Armored Front Vehicle of World War II par Michael Green chez Osprey. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, donc euh, j'avais euh, déjà deux ouvrages de ce type, mais pour euh, les, 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 les chars anglais, donc les chars anglais anglais et les chars anglais américains. Voilà. Donc, il date de 2014, il y a 376 pages et il coûte 30 livres, c'est à dire au cours actuel environ 33,60 donc on le trouve entre euh, généralement 35 mais ça dépend du libraire là encore il faut vraiment euh, pas hésiter à, à traverser entre guillemets euh, la, la la manche euh, acheter en Angleterre il y a des librairies qui le font aujourd'hui à des prix euh, bah 30 livres mais des fois euh, vous trouvez de bonnes occases entre guillemets comme neuf euh, pour euh, pour moitié prix et donc euh, ça peut être intéressant donc là encore euh, donc osprey un excellent bouquin. Euh, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il faut, il faut toujours insister. Les Britanniques sont toujours des champions quand il s'agit de faire des bouquins sur l'armement. Et je dois euh, leur tirer mon chapeau, parce que franchement, c'est un livre magnifique. Euh, tous les chars américains y sont, euh, par, euh, par euh, type de chars, par donc, le Sherman, les chars légers, les chars un peu lourds, les TD, et euh, chacun a une inscription sur le blindage, euh, le type d'armement, le, les performances mécaniques, tout ça. Donc c'est vraiment un livre qui est intéressant parce qu'il couvre la globalité des armements américains et qu'il les met bien en valeur. Il y a toujours de très belles photos, c'est très très agréable à consulter, c'est un livre qui est très agréable à lire. Euh comme le comme le cher enfin le, le bouquin français qui voilà ce sont des livres modernes qui ont quand même euh, qui sont euh, conçus de manière euh, à être euh, à la fois agréable à la lecture et apporter je dirais des informations euh, euh, substantielles et euh, euh, nouvelles pas pas des trucs qui ont été ressassés pendant 50 fois voilà c'est tout maintenant je passe alors alors là tout ça c'est une série je vais parler de dix ouvrages euh, qui ont été écrits donc par un monsieur qui euh, est euh, vraiment le monsieur qui a fait une véritable encyclopédie, on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça une somme, une bible euh, sur les chars américains. Euh, c'est vraiment un livre, une série d'ouvrages extraordinaires et que tous les passionnés, euh, je dirais, voilà, c'est le, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait parce que j'ai découvert ça sur le tard et euh, bah euh, on va dire que bon financièrement parlant je le, ça ça va j'ai pas à me plaindre et donc euh, bah mais c'est simplement que bah, je peux pas acheter la totalité d'un seul coup quand même ça, voilà il y a des choses qu'on ne fait pas et donc j'ai un peu étalé dans le temps mais je me suis procuré la, la totalité de ces ouvrages et euh, franchement c'est magnifique il n'y a pas d'autre mot parce que je veux dire que c'est une étude du enfin euh, vraiment extrêmement pointu, tant dans le dans le domaine historique, euh, dans, dans les racines de la construction d'un char, la philosophie euh, qui a mené à, 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 à la construction de tels véhicules, et euh, sur les équipements, les les armements. Il y a des à la fin vous avez des tables sur les performances des armements. Donc vous voulez savoir combien perce un, un canon américain à 1000 mètres euh, sous une incidence euh, de tel ou tel angle, et eh ben euh, ça donne toutes ces tables-là. C'est hyper chiadé. C'est vraiment une bible. Ça, alors par contre, au niveau de la lecture, c'est vraiment des, des, des livres qui ont été après, à, écrits, euh, je dirais, il euh, y, a, y a assez longtemps. Euh, et donc c'est vraiment... Pas du tout euh, dans une présentation moderne. C'est avec des vieilles photos noires et blanc euh, placées un peu n'importe où. Euh, c'est pas très voilà. Mais par contre, euh, je veux dire, si vous voulez des informations de première main, euh, bah c'est vraiment le chose. Donc euh, le monsieur, c'est Monsieur R. Honeycutt. R. Donc c'est quelqu'un qui est né en 1926 et qui est mort en. 2011 si je ne me trompe pas et qui donc euh, a, a fait la deuxième guerre mondiale qui, qui s'est engagé qui a combattu de 44 à 45 il a eu la silver star et après la guerre il est devenu il a Faites des études grâce à l'armée, parce que je veux dire que c'est un système euh, aux États-Unis où, en, entre guillemets, vous pouvez faire des études si vous vous engagez. Euh, bah, par exemple, quand vous voulez être pilote, euh, si vous n'avez pas un fifrelin, bah engagez-vous pour 5 euh, ans dans la Navy et vous devenez pilote euh, sur un... Euh, vous pilotez un F-18 à la fin, et vous faites l'université. Donc l'armée vous paye l'université, et, et euh, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent parce qu'aux États-Unis, euh, payer de la fac, euh, payer les droits de fac, c'est pas euh, quand on entend les mecs qui cinnent qui parce qu'ils payent 100 euros, ils disent, oh mon Dieu, ils ont augmenté encore les frais universitaires, il faut payer 150 euros. Euh, aux États-Unis, c'est plusieurs euh, milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Donc euh, je veux dire que euh, s'instruire aux Etats-Unis, ça coûte cher, surtout pour les études supérieures. Donc euh, l'armée pour beaucoup d'américains de jeunes américains euh, démunis ou de familles pas très aisées c'est un moyen euh, je dirais de, de faire des études et donc monsieur Honeycutt a fait des études à l'université et il est devenu ingénieur euh, sidérurgie dans la sidérurgie voilà et c'est l'un des créateurs du musée euh, des véhicules du, du matériel à Aberdeen. Et Aberdeen, c'était, c'est toujours, et c'est le site où on fait des tests, des armements, notamment euh, véhicules blindés et tout le tralala. Donc c'était, voilà. Et il est mort et paix à son âme. Donc! Le premier, alors, j'ai pas fait par ordre de parution, parce que j'ai plutôt fait par ordre, on va dire, d'importance. Euh, je commence par les chars, les chars légers, puis après je pars, je pars les chars moyens, les chars lourds, après les MBT, et ensuite les chars, on va dire, les véhicules, qui ne sont pas des blindés, mais des véhicules de combat euh, chenillés, semi-chenillés, à haut. Voilà. Donc, euh, euh, mon, mon, ma présentation euh, <laughs> fera ce qu'elle fera, mais elle, elle est comme ça. Donc euh, le premier titre que j'ai choisi, c'est Stuart An History of the American Light Tank Volume 1. Donc c'est Monsieur Hunnicutt C'est publié par EP, euh, EPBM, Eco, Point Book and Media. Donc ça a été publié la première fois en 1992 et ça a 512 pages. Donc le pré indicatif, alors ça c'est aux États-Unis. Hein. Donc pour les livres brochés, c'est-à-dire couverture souple. Euh, c'est 40 euros grosso modo et c'est 47 euros pour un livre relié. Moi j'avoue que j'ai eu des modèles dépareillés parce que c'était au euh, parce que la librairie qui l'édite euh, ben, ne, ne vend plus. Euh, la totalité de, de, des, des ouvrages, j'en ai acheté un ou deux chez eux, mais euh, le reste, j'en trouve, euh, j'ai trouvé bien sûr chez Amazon, mais chez Amazon, il faut faire, sachant que j'ai le prix de référence, il faut toujours chercher à, à le payer entre 47, de, euh, en 47 euros euh, et 40 euros, euh, si, voilà, après j'essaie de, de un petit peu baisser les prix, parce que vous en avez qui n'hésitent pas à, à vous taxer euh, à très très chèrement donc euh, le stuart le petit char euh, qui a été qui a bien servi aussi dans les forces françaises donc il euh, y a toute l'histoire des, des chars légers et euh, c'est une c'est un <laughs> C'est un plaisir de lire ce livre, parce que vraiment euh, on découvre finalement que les Américains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées, euh, et qu'ils ont fait, ils ont été un peu dans tous les sens. Mais ça, c'est le problème des pays riches, parce que les pays riches, ils, ils testent tout, et finalement, ils aboutissent pas forcément à grand chose. Euh, dans un pays qui a moins de on va dire, de moyens, bah, vous essayez de faire quelque chose et puis d'arriver à quelque chose de... qui marche, on va dire. Euh, voilà, donc euh, c'est un luxe qui permet aux Américains effectivement de faire une, une Oriade de, de prototypes et euh, de d'inonder un petit peu, voilà, de, de, de faire travailler euh, plusieurs euh, bureaux d'études, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc ça c'était vraiment euh, mais le Stuart c'est vraiment effectivement emblématique des chars de reconnaissance et des, des chars légers de la Deuxième Guerre mondiale. Donc s'il y a un volume 1, il y a forcément un volume 2. Donc euh, Sheridan, le Sheridan, donc euh, le deuxième tome des chars légers. Donc il a été... Lui, il est paru en 1995 la première fois, toujours le même auteur, le même éditeur, donc j'en parle pas, et fait 3, 340 pages. Donc le Sheridan, euh, c'est un char qu'on a vu surtout au Vietnam et qui est resté au, dans les États-Unis jusque dans les années 70-80. Et c'est plutôt là encore un, un, un véritable euh, une véritable source de, de de connaissances parce que on, on, on découvre moi j'ai découvert énormément de choses parce que c'est vraiment euh, voilà parce que avant d'arriver au Sheridan vous avez des, des trucs mais vraiment bizarroïdes euh, j'ai découvert des véhicules qui étaient en fait que euh, euh, un véhicule avec un canon et puis derrière vous aviez euh, le une petite un petit tracteur qui euh, permettait de recharger mais ça, c'est plutôt dans les chars euh, modernes. Mais il y a, y a plein de trucs. Il y avait des trucs ignobles avec euh, euh, des, des tourelles, mais vraiment rondes. Rondes. Euh, tu te serais cru dans une soucoupe volante. Il y avait vraiment des trucs. Tu te dis, les mecs, euh, c'était dans les années 50. Tu te dis, les mecs, ils ont découvert le pétard et ils ont fumé un bon coup. Parce que là, franchement, tu te dis, mais d'où ils sortent toutes ces conneries Enfin bref, mais c'est toujours aussi passionnant. Ensuite, on arrive alors là. Je vous ai montré celui-là, le petit la Saga du Sherman, et eh bien là vous avez la Bible du Sherman, le Sherman. Voilà. A History of the American Tank. 78, donc ça c'est le premier livre qu'il a ouvert et ça fait 575 pages, 575 pages. Vous avez toutes les versions possibles et imaginables de ce char. Euh, y compris toutes les variantes qui ont été tirées euh, de ce châssis donc vous avez tout 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 tous les canons sont en, en annexe toutes les performances des munitions c'est en annexe vous avez c'est une mine d'informations enfin franchement je je suis euh, voilà c'est 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 phénoménal ce que vous pouvez apprendre il y a vraiment euh, je, je me répète à chaque fois, mais c'est, il n'y a pas autre chose, mais c'est fantastique. Euh, c'est peut-être un char de merde, <laughs> le, le Sherman, mais putain, il a donné naissance à une Descendance euh, prolifique et qui, est, dans certains pays, a, a, a était toujours en service dans les années 80-90. Hein, donc, c'est quand même quelque chose. C'est un peu comme le T34. C'est un vieux truc, mais c'est un truc euh, qui était euh, solide et euh, qui, qui marchait correctement. Et comme il était euh, bien pensé d'un point de vue industriel, euh, eh bien, il était euh, facile à entretenir. Ce qui euh, n'est plus, enfin, c'est plus vraiment le cas actuellement. Voilà. Donc c'est un super ouvrage. Euh, euh, là encore, euh, une, une mine, mine, mine d'informations. Donc on passe après au successeur euh, du, du Sherman, le Pershing, qui à l'origine s'appelait le T20, les joueurs de <laughs> War Thunder ben, reconnaîtront le T20, puisqu'on peut le jouer dans, dans, dans le jeu, et donc là encore c'est un livre donc, euh, qui date de 96, donc beaucoup plus tardif, il est beaucoup moins épais, 240, mais c'est une... Étude extrêmement pointue, extrêmement solide. Euh, vous avez tous les détails du canon, des canons de 90 mm qui ont été équipés. Tous les types de munitions sont détaillés avec leur performance à 1000, 2000, 1500 mètres. Vous avez des tables de de, de performance. C'est pas pour rien que le mec, il était, il est devenu, euh, il est devenu administrateur euh, du musée de, de l'ordonnance, enfin des des équipements d'Aberdeen, c'est parce que euh, je veux dire, euh, il a dû y travailler en tout cas il, il a eu accès à ces informations et vous avez vraiment euh, là quand vous vous posez la question oh là là, mais combien il peut, bah, moi je trouve qu'il perce beaucoup, bah, vous avez des informations là de première main, puisque c'est les résultats des tests qui se sont passés sur euh, le ranch d'Aberdeen voilà, donc je ne vais pas m'étendre de plus mais c'est plutôt intéressant Là, on arrive sur un petit livre, euh, puisqu'il ne fait que 232 pages, c'est Firepower, uh, History of the American Heavy Tank. Euh, donc les, les tanks lourds, euh, ça a été un petit peu une parenthèse hein, euh, sur la fin de la guerre, euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui ont accompagné les Pershing, puisque c'était dans la philosophie du temps, hein, puisqu'il y avait les chars légers, il y avait les chars moyens, et il y avait les chars lourds. Donc c'était les chars qui étaient censés s'opposer au Joseph Staline, les IS, euh, mais qu'on pourrait dire en France le, le IS parce que c'était I, c'est le J en, en russe, donc les Joseph Staline 2, euh, 3 et ultérieur les modèles les plus modè les performants et donc vous avez euh, une histoire alors j'avoue que c'est celui qui m'a le moins intéressé parce que mais c'est là où vous avez des trucs les plus farfelus là, là, là vous avez vraiment des trucs bizarroïdes et euh, là les, les mecs euh, on, on voyait qu'il y avait du pognon c'était la guerre froide ça, ça devait tomber euh, franchement le pognon devait couler à flot et les mecs faisaient des études mais complètement biscornu il euh, y a des donc là vous avez les performances des canons de 155 qui ont été euh, sur l'été 29, tout ça, les, les différents tanks, les, les canons 105, vous avez même des obusiers beaucoup plus gros qui ont été mis. Euh, C'était des trucs assez euh, phénoménaux euh, qui euh, et sont euh, intéressants à étudier, euh, je, je veux dire, d'un point de vue euh, purement historique. Ensuite, on passe ben, finalement à la fameuse transition. Euh, une fois que les Américains, ont, enfin que tout le monde s'est dit ouais bon ben, c'est bien des chars lourds, mais avec les munitions modernes, c'est-à-dire les munitions à charge de creuse moderne, euh, même avoir un truc qui pèse euh, ou t'as 300 mm de blindage, euh, pas de bol, la munition elle en perce 400, donc c'était euh, comme un con. Et en plus si tu roules pas vite et que t'es une grosse montagne, ben t'en prends euh, t'en prends plein la gueule pour pas un sou. Donc on arrive au Patton qui est euh, avec le M46, M47, M48 le M60 euh, on va dire le char américain qui a été connu il est très connu parce que euh, il a été le char aussi européen les M46 M47 M48 ils ont équipé la France l'Allemagne l'Italie l'Espagne euh, la Grèce, tous les pays européens ont eu des chars, soit des M46, la France a eu des M47, l'Allemagne a eu des M47 et des M48. Euh, et, et donc euh, ah, d'ailleurs j'ai... Enfin, je ne sais pas si j'ai le bouquin ici, mais euh, ça je vous en parlerai euh, dans les livres français, mais euh, j'ai un truc assez rigolo justement sur les M47, l'utilisation des M47 en France. Mais bon, ça je vous le verrai plus tard. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit l'évolution de, de ce char. Et, et quand vous voyez effectivement euh, cette version, vous voyez qu'un peu quand même, il y a une inspiration un peu russe parce que vous voyez les chars russes qui sont euh, très sphériques, très ronds dans leur conception. Et vous voyez que la, la tourelle américaine est bien ronde. Alors le seul problème de ces chars, c'est que c'était de véritables montagnes. C'était des chars qui étaient extrêmement hauts. Regardez, on se fout de la gueule des, des, des tourelles françaises en disant, ouais, de la première guerre mondiale, je sais pas si vous avez eu les commentaires, ah, ah, ah les Français, ils ont des tourelles énormes, ils ont des, des postes... Bah, euh, là, vous, vous regardez les M48, toute tout, cette série, et ça, ça culmine avec les Patton, euh, les M60, euh, ce sont vraiment des trucs, mais ce qui sont... Euh, énorme c'est comme si vous aviez une vache dans un couloir c'est pas possible de les louper euh, les russes avaient des trucs qui étaient tout rikiki. bon alors euh, par contre il y avait une ergonomie qui était foireuse euh, l'équipage de trois de ou quatre hommes trois euh, hommes euh, euh, je veux dire ils étaient tellement euh, dedans c'était tellement serré les munitions étaient mis euh, n'importe comment je veux dire qu'un obus pénétrait dedans et tout explosait parce que les munitions elles étaient euh, ma elles étaient vraiment dans tout l'habitat euh, je veux dire, de ce côté-là, les chars américains étaient mieux conçus. Euh, cependant, il y, y a quand même, euh, je veux dire, cette, ce volume, à force de vouloir donner un peu de l'aisance aux, aux équipages, c'est pas plus mal, puisqu'effectivement, les cadences de tir, euh, elles étaient plus importantes dans les chars américains. Pourquoi bah Parce que les mecs, ils avaient quand même plus, ils étaient plus à leurs aise que leurs homologues russes. Mais c'était quand même des, des chars qui étaient très volumineux. Et euh, moi, je pense notamment. Par rapport au Léopard 1 et aux AMX 30, euh, qui, euh, si on doit les faire carrés aux AMX 48, au aux, aux aux, aux M48 et même au M60 des premières versions, je pense qu'au niveau de la manœuvrabilité, de la capacité effectivement de, de se déplacer et de tirer loin et de détruire leurs cibles, ils étaient, à mon avis, plus efficace. Donc ça c'est le premier tome, ce qui veut dire qu'il y a un deuxième tome et dans les main battle tanks américains, le deuxième qui a, arrive après le M60, c'est bien sûr l'Abrahams. Et donc euh, l'Abrahams, euh, History of the American Main Battle Tank, volume 2, donc il date de 90 et il fait 320 pages. Vous pensez que l'Abraham c'est un truc ultra secret, que vous ne pouvez pas avoir d'informations et eh bien si vous pouvez en avoir, il suffit d'acheter ce livre et vous aurez toutes les informations que vous voulez, en tout cas sur le M1. Euh, voilà, parce que je veux dire, le monsieur, bah, il, est mort, euh, <laughs> il est mort en 2011. Et euh, attendez, il faudrait que je retrouve le bouquin, mais euh, je, je pense pas... Euh, là comme je... Attendez, bougez pas, je vais vous dire ça. Donc euh, voilà. il y a euh, le M68 donc donc vous voyez euh, si il y a le M256 donc il y a la, la mer donc voilà euh, le M256 voilà ce, ça se présente sous cette forme là euh, et puis euh, un petit peu pour vous montrer l'intérieur voilà donc c'est très très c'est pas bien fichu on va dire techniquement parlant euh, c'est c'est pas terrible c'est pas c est, c est pas joli c'est pas joli mais vous avez, voilà c'est putain, il y a, y a trop, il y a, y a trop, il y a trop d'informations. donc, vous avez tous les prototypes, vous avez surtout toute l'histoire. Euh, le char euh, américano-germanique, euh, euh, voilà, vous avez toute cette histoire-là. les tentatives de faire un, un char, euh, voilà, après qu'ils aient euh, loupé euh, les allemands de toute façon, les allemands ne voulaient pas faire de char avec autre. Euh, ils voulaient euh, faire des chars tout seuls. Euh, et donc euh, bah, les Américains finalement euh, ne prendront euh, de, de ce, cette tentative que le canon. ne garderont que le canon et ils euh, prendront le blindage. Mais là encore, c'est un livre qui est formidable parce que je veux dire que voilà vous vous dites euh, des données qui sont secrètes, euh, bah non, non en fait euh, tout est là dedans, tout est là et vous avez tout. Et euh, bah là, on vous donne la, on vous donne pas la composition du choban, mais on vous dit le type euh, effectivement de blindage et on vous explique le fonctionnement, euh, comment, euh, pourquoi c'est conçu de telle manière, euh, le principe des, des couches différentes et, et ça vous donne après euh, le pourquoi effectivement c'est capable d'arrêter un obus flèche, voilà. Donc c'est de la physique, c'est c'est assez pointu. Voilà, c'est de, de la dynamique euh, des fluides presque, mais, mais bon. Il y, y a des parties qui sont assez compliquées à comprendre, mais c'est quand même quelque chose qui vous permet voilà, de rentrer un petit peu dans le secret des dieux. Euh, voilà. Et donc c'est en tout cas des infos. Euh même euh, Osprey, là et qui fait ses petits bouquins euh, de, de 100 pages, non, là franchement à côté, ça, ça vaut pas le coup. Si là vous voulez de l'information de, de première main, de première bourre, c'est ça qu'il faut avoir parce que ça coûte cher. Mais euh, je veux dire que franchement, pour, pour toute l'information qu'on en tire, ça vaut vraiment le coup. Ouais, ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite on, on repasse un petit peu, on revient un petit peu en arrière et on retourne. Dans la deuxième guerre mondiale, au cours de la deuxième guerre mondiale, et on va parler des half tracks half tracks an History of the American Semi-Tracked Vehicles. Ça date de 2001, il y a 240 pages. Et là encore, eh bien, vous allez avoir une, un livre qui va décrire tous les half tracks Tout le monde reconnaîtra un des premiers TD américains. Euh, que j'ai bien aimé finalement mais euh, qui, est, qui est très très fragile hein. enfin, vous faites dégommer par une n'importe quelle mitrailleuse, un obus explosif vous envoie en enfer mais voilà tous les half-tracks, les versions TCA, euh, appui, enfin tout, 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 tout y est, c'est vraiment là encore hyper intéressant et, et tous les armements qui ont été adaptés sur les half sont présents à la fin avec leurs fiches, les performances des différents types d'obus, comme d'habitude, il y a tout. Alors comme d'habitude aussi, bah, c'est pas terrible au niveau de la présentation, mais franchement, euh, par rapport à tout ce qu'on peut ingurgiter, toute la connaissance qu'on qu va accumuler, pff, bah, on, on s'en fout un petit peu. Hop. Donc euh, après les abstracts, on va rester dans le domaine des roues et on va arriver dans Armored Car, uh, History of American Wheeled Combat Vehicles. Bon, je passe auteur-éditeur, ça date de 2002, il y a 340 pages. Et là, vous allez avoir euh, une, un, un bouquin qui va parler de tous les véhicules à roues. Les commandos, les véhicules commandos et les différents types de véhicules avec des canons, sans canons, mitrailleuses, tout le tralala. Et j'ai découvert un véhicule euh, entre parenthèses, j'ai découvert que euh, les véhicules italiens euh, pompaient outrageusement sur le, le fameux commando, donc ils sont même pas foutus de faire un char de leur propre, et je me demande donc du coup si leur fameux char, euh, leur véhicule euh, très rapide à roue, c'est pas tout simplement une repompe pure et simple du commando américain, et euh, j'ai découvert qu'ils avaient fait une copie du VAB. Oui, 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 une petite copie. Vous savez, les américains euh, ils regardent, ils testent, ils disent Ah oui, c'est intéressant, on aimerait bien voir le truc. Et puis après, euh, deux, deux semaines après, ils vous pondent un véhicule qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Euh, donc c'est... j'ai découvert ça, en fait il a jamais été vendu, il n'a jamais été produit, mais c'est assez marrant de, de voir euh, un, un VAB euh, made in USA. Voilà. Et enfin, vous avez le dernier ouvrage euh, qui va encore intéresser les gens qui jouent à War Thunder, Bradley History of American Fighting and Support Vehicle. Donc là-dedans, vous avez euh, les, les, les IFV, hein, Infantry Fighting Vehicle, donc tout ce qui est de ce type-là, ou les Armored front vehicle, euh, les armoured front vehicle, euh, les, les véhicules de... Euh, de l'avant euh, blindé on va dire euh, et donc euh, là dedans vous avez une description de tout ce qui concerne les M113 donc les véhicules à chenilles euh, qui étaient les premiers véhicules de l'infanterie mécanisée américaine et qui sont arrivés pour arriver donc au Bradley et donc là encore vous avez une performance des canons, euh, des missiles et euh, toutes les variantes qu'il y a donc le, le Bradley version euh, transport de troupes et le Bradley version euh, reconnaissance qui euh, le M1 y a, y a, attendez, euh, enfin il y en a un c'est un A3 et le A3 donc c'est la version reconnaissante c'est à dire qu'il doit avoir de la place pour euh, 4 ou 5 hommes euh, contre 7 dans l'autre ou 8 euh, voilà là j'avoue que je suis pas trop spécialisé dans cette euh, dans ce type de véhicule mais là encore bon bah c'est euh, c'est The Bible quoi c'est la Bible c'est c'est un truc c'est 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 quelque chose qui est euh, pff, c'est une somme. Voilà, voilà, c'est une somme, c'est une somme. C'est vraiment une encyclopédie. Euh, voilà. Bon. c'est voilà. Alors, bon, je, je vais pas. Là, là encore, c'est vraiment des achats de passionnés. Euh, de voilà, j'avoue que je suis euh, complètement fondu et euh, je, je, je cherche, je continue à chercher et acheter euh, euh, des ouvrages euh, sur les chars. Parce que je ne suis jamais rassasié d'informations. Euh, sauf dans le domaine américain et allemand, où là, franchement, j'ai des livres qui font, on va dire, référence, et que je ne pense pas qu'un livre puisse m'apporter euh, d'autres euh, informations. Alors, euh, voilà. Euh, R.P. Honeycut, euh, retenez bien ça, euh, et euh, vous trouverez facilement. Euh, en tout cas, euh, vous avez les titres. S'il y a des titres qui vous intéressent, regardez. Euh, allez voir, peut-être dans une bibliothèque, il y a peut-être un ouvrage. Je, ça m'étonnerait. Mais franchement, ce sont des livres très intéressants. Voilà. Donc, revenons au début. Hop. Et euh, en fait, j'ai quelque chose... Euh voilà. Euh, il se trouve que bah, quand, quand, moi je quand euh, je dois recevoir des cadeaux, je, je dis toujours euh, Ouais, bah achetez-moi des, des bouquins Et euh, il se trouve que j'avais demandé à ma famille pour un anniversaire de m'offrir un, un livre. Euh, en fait, il s'agit donc, euh, je, je veux vous le montrer de celui-là. Voilà. Et il se trouve que je l'ai en deux exemplaires. Donc, bah, euh, ce que je vous propose, c'est euh, s'il y a une personne qui... Qui, peut, enfin, qui habite en région parisienne et qui peut passer un jour euh, chez moi, j'aurai le plaisir de lui offrir, ou alors euh, je, je l'envoie, euh, donc ça sera le premier qui mettra un commentaire en disant euh, Armored Car, <laughs> le mot de code ça sera Armored Car, eh ben, euh, soit il vient de chercher s'il est là, euh, soit euh, bah, je lui envoie, il faudra qu'il me donne son adresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était donc euh, une vidéo culturelle. Euh, ô combien culturelle Une bibliographie sur les chars américains. Et donc, euh, rendez hommage à Monsieur Honeycutt, qui est un dieu à mes yeux. Celui qui a fait la plus belle série d'ouvrages sur les blindés américains. Et même sur les blindés tout court, parce que même à côté de, de la série de livres sur les Allemands, euh, elle est encore plus documenté encore plus monumental et dieu sait que les livres sur les chars allemands euh, ils étaient déjà bien 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 euh, foutus voilà donc euh, rappelez-vous un hein, code euh, Armoré de car je dis pas de conneries et puis euh, soit vous venez soit je vous l'enverrai voilà c'est tout à la prochaine ciao ciao